Salut et bienvenue sur le cours des fractions. À la fin de cette vidéo, tu sauras additionner les fractions à dénominateurs différents cette fois-ci. Et on va illustrer tout ça grâce à de jolis petits calculs. Allez! Je résume ce que tu dois savoir jusqu'à maintenant. C'est additionner et soustraire des fractions qui ont le même dénominateur. Donc la règle, c'est quoi? C'est j'ai le même dénominateur, c'est loqué. Il se loque ici, donc on le verrouille, le C, et on additionne en haut, A plus B. Ça, c'est la règle du même dénominateur. Maintenant, si je te demande 2 cinquièmes plus 3 dixièmes, ça fait combien? Ou pire, 11 tiers plus 1 demi, ça fait combien? L'étape la plus simple, c'est quand les deux dénominateurs sont dans la même table. Par exemple, regarde là, on a 5 et 10, ça c'est le dénominateur. Bah, 10, c'est 5 fois 2. Je vais essayer de te l'expliquer un peu pour que tu comprennes un peu ce qui se cache derrière, au niveau de l'interprétation. C'est très simple au final, ne t'inquiète pas. Notre but, c'est quoi? C'est de ramener les deux fractions sur le même dénominateur. Comme ça, on peut appliquer la règle qu'on connaît. Donc, on va ramener ça sur le dénominateur plus grand. Ici, c'est 10. Parce que regarde, si je multiplie en bas par 2, je suis à 10, tu vois. Hein? Donc on y est presque. Donc on va vraiment ramener ça sur le plus grand. J'ai un gâteau coupé en 5 parts. J'en ai 2. Et maintenant, j'ai pas envie d'avoir 5 parts, mais j'ai envie d'en avoir 10. Il suffit que je coupe quoi pour passer de 5 parts à 10 parts? Ben, que je coupe chaque part en 2. T'es d'accord? Si je coupe chaque part en 2, ben, c'est comme si j'avais 4 parts sur 10, tu vois, là j'ai coupé chaque part en 2. Donc, en gros, ce qu'on a fait, donc c'est un peu l'inverse d'une simplification, on a multiplié par 2 en bas et on multiplie par 2 en haut. Tu vois, le but d'une simplification, donc pour rendre un truc, une fraction irréductible, c'est quoi? C'est de passer de là à là. Mais c'est ce que je dis, de temps en temps, ça va dans les deux sens. Et les deux sens sont utiles. Et vu que c'est égalité, c'est bon. Alors regarde, là, au lieu de faire de là à là, on va passer de ça à ça. Pourquoi? Pour là avoir notre cher 10. Et du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec mon 2 cinquième qui sera égal à 4 dixièmes plus 3 dixièmes. Est-ce que ça, je sais faire? Hein? Mon plus, j'ai mon dénominateur commun qui est 10. Donc 4 plus 3, ça fait 7. Ouais. Donc j'ai bien 7 sur 10. Donc déjà, maintenant, on sait gérer les situations lorsqu'on a les dénominateurs dans la même table. Si les dénominateurs sont dans les tables différentes, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Mais encore une fois, ne t'inquiète pas, le but reste le même, de ramener ça sur un dénominateur commun. Et après, tu sais faire. Mais maintenant, quel dénominateur choisir? Avant, c'était simple. Le plus petit, on le multipliait jusqu'à arriver au plus grand. Et vu que c'était dans la même table, on savait exactement par quoi il fallait multiplier. Alors ce qu'on va faire, la petite feinte, c'est qu'on va les multiplier entre eux. Ça s'appelle un dénominateur commun. Alors, ah, c'est marrant. Hein. Pourquoi? Regarde, un dénominateur commun, c'est ça. L'idée, c'est la suivante. C'est que lui, je vais le multiplier par 2, et lui, je vais le multiplier par 3. Si là, j'ai un 6, bah, il y a du 3 dedans, et si là, j'ai un 2... Et si là j'ai un 6, j'ai du 2 dedans. Donc, regarde maintenant, imagine-toi, j'ai le dénominateur commun. Dans ce cas-là, j'ai 3 fois 2, c'est mon dénominateur commun. 3 fois 2 égale à 6. Regarde maintenant ce qu'on va faire. On va faire la croix. Une fois qu'on a le dénominateur commun, on fait une formation croix. On va faire ça en fait. On va faire 11 fois 2 et 1 fois 3. Suis les instructions, tout va bien se passer. 11 tiers plus 1 demi. Ça me donne quelque chose sur 6, plus quelque chose sur 6. Ce plus, c'est ce plus. 6, c'est mon dénominateur commun. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est juste la croix. Donc le 11, je le multiplie par 2. Donc là, j'ai 11 fois 2. Et lui, je vais le multiplier par 3. Donc j'ai 1 fois 3. Et donc je termine, 11 fois 2, ça fait 22. Plus 1 fois 3, donc ça fait 3. Et là, j'ai le même dénominateur qui est 6. 22 plus 3, ça fait 25 sur 6. Et là, c'est fini. Ça va parler normalement à la plupart d'entre vous.
Si maintenant tu comprends toujours pas ce qui se cache derrière, ou si tu as envie de comprendre. Regarde, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. J'ai 11 sur 3. Et en fait, je vais multiplier ce 11 fois 2, tu vois. Et en bas, j'ai multiplié par 2. Parce que je sais que je vais choisir 6 comme dénominateur commun. Ça, c'est le gars que je vais choisir. Donc là, maintenant, je vais monter lui à 6. Le 3, il faut que je le monte à 6. Donc, je fais x2. Si je fais en bas x2, bah, logiquement, en haut, je dois faire x2. Hein. Comme ça, les deux, ils simplifient et j'obtiens même le même résultat. Tu vois, je fais de nouveau cette simplification à l'inverse. Donc là, je me retrouve exactement avec mon 22 sur 6 que j'ai ici. Et de l'autre côté, je vais faire quoi? J'ai 1, l'autre côté, j'ai quoi? J'ai 1,5. Donc mon 1,5, j'ai décidé que le facteur commun, ça sera quoi? 3, 6. Donc là, je fais x 3 et là, je fais x 3. En fait, c'est juste ça que je suis en train de faire. Donc je me trouve exactement avec 3 sur 6. On va mettre ça en pratique vite fait. Ici, est-ce que c'est la même table? Non. Ouais. Donc il nous faut un dénominateur commun, parce que 1, 4 et 5 sont bien différents. Alors qu'est-ce qu'on prend comme dénominateur commun? On prend 4 fois 5. Ça fait 20. Donc là, regarde, on va faire ça comme ça. Ça, c'est égal à sur 20 plus sur 20. Et maintenant, ça, c'est la première. Elle est là. Je vais faire la croix. 3 fois 5, 15. Maintenant, je passe à la deuxième. Je fais la croix avec la deuxième. 4 fois 1, 4. Et là, je me retrouve à une fraction dénominateur commun. 15, donc commun, tac. 15 plus 4, ça fait 19 sur 20. On est bon? Petite dernière. 3 et 7, pas la même table, pas le même dénominateur. Donc, 3 fois 7, 21. Alors, sur 21, là j'ai un moins, donc je mets un moins sur 21. Et je fais la première croix. 2 fois 7, ça fait 14, moins la deuxième croix. 3 fois 4, ça fait 12. 14 moins 12, ça fait 2 sur 21. Ça marche? Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Tu peux aussi télécharger le résumé de ce cours pour mieux réviser. Et si tu as encore des doutes, n'hésite pas à poser une question. On se revoit dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'entraîner parce que ça, c'est vraiment une notion fondamentale pour la suite. À toutes!